Donc bonsoir YouTube, la diffusion YouTube. Je suis désolé pour l'épisode précédent du jeu avec les corbeaux. J'ai complètement oublié comment il s'appelait le jeu, je suis désolé. Mais du coup, il n'y aura pas la fin parce que mon PC a décidé tout seul d'un coup de stopper l'enregistrement. Donc je suis désolé, il n'y aura tout simplement pas la fin. Mais en soi, j'ai pas avancé plus que ça, donc ne vous inquiétez pas, c'est une démo de toute façon. Donc là, on est parti pour le quatrième et dernier jeu de. Dernier démo du jeu d'horreur de ce soir. Donc Luto. Et nous sommes partis. Je rappelle que tout ça sont des démos, donc si vous voulez les tester par vous-même, vous pouvez bien évidemment. Les démos sont gratuites. English, espagnol, bah English. Broken Bird Games. Oh la vache. Je sais même pas si le jeu est déjà sorti d'ailleurs. Ah, cette démo ne sauvegarde pas. Ok. C'est vraiment un. Je peux dire ça comme ça, un first try. En mode, au moment où ça va dire stop, c'est stop quoi. This choice, pardon. Ok, donc help, option. Sensitivity, d'accord. Ah, rien que là, j'ai l'impression. Est-ce que. Je vais laisser en small. Bon, ça va, plutôt bon. Bon. Play demo, on est parti. Ah, il y a le curseur. Bah, par contre, il y a vraiment besoin. J'ai vraiment ce problème-là dans les jeux. J'ai vraiment besoin de monter la sensibilité. Ouais, ah bah oui, c'est déjà vachement mieux. Hop. Ok, une espinglette. Je peux pas interagir avec les objets par contre. Ou du moins, il y a rien. Je peux interagir avec rien du tout pour le moment. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je sais pas si. T'as le principe des zooms dans les jeux vidéo. Je trouve ça impressionnant parce que je ne comprends pas ce principe. Pourquoi tu peux zoomer avec tes yeux? C'est bizarre. Hein. Par contre, je vois quasiment que. Waouh! Là, je vois qu'il y a un truc mur parce qu'il y a un truc mur. Il y a un. Je sais même pas si, on peut, si je peux appeler ça un mur, mais bref, il y a une espèce d'encadrement là. Et je le vois parce qu'il est juste plus clair que le truc. Mais c'est la seule raison pour laquelle je le vois. Okay. Je peux pas ouvrir la porte par contre, je peux pas interagir. Hein. Je peux pas interagir. Bonjour. J'ai vu la radio là-bas. Je m'attends à ce que la radio s'allume toute seule. Ah, d'accord. Oui, donc j'avais quoi je peux interagir, c'est un petit peu mis en surveillance. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Drawing of the door with broken bar. D'accord. Tu joues à quel jeu? Je joue au jeu qui se nomme Luto. Oui, c'est ça, Luto, du coup. Une chose. Ouah, mais qu'est-ce que c'est lent par contre! Ça, c'est un truc derrière. Oh, c'est incroyablement lent. C'est impressionnant. D'accord, je l'ai ramassé. D'accord, mais ça me servira à quoi de ramasser un. Inspect, donc je peux les re-regarder ici. Ce n'est pas la radio. Ce n'est pas la radio, c'est le téléphone. Le téléphone qui est là-bas. Parce que moi je pensais que c'était la radio qui allait se mettre en marche, mais non, c'est le téléphone du coup.
Médoc là. Attends, parce que j'ai quoi comme touche? À part ce zoom. Le zoom des yeux. Ça, je ne comprends pas dans les jeux. Pourquoi est-ce que tu peux zoomer avec tes yeux? Je trouve ça complètement con. Mais d'une puissance. Ça me sort du jeu, mais je ne comprends pas cette fonctionnalité. Ah, au fait, c'est toi qui viens de t'abonner, Jassim, aujourd'hui ou pas du tout? Ou est-ce que ça fait déjà un moment que tu t'es abonné Parce que j'ai vu que j'avais un abonnement, mais j'ai pas le pseudo qui apparaît, donc je peux pas remercier la personne. Ok, parapluie. Ah, je peux interagir avec la porte. Bien évidemment, ça me paraissait logique. Que tu te sens mieux, ouais. Oui, c'est moi. Bah, merci beaucoup, Jassim, pour ton abonnement. Oh, oui, bah, pour t'être abonné, hein, littéralement. Merci à toi. D'accord. Bah, c'est marrant, ça, dis donc. Non, rien. Et du coup, désolé que tu sois tout seul sur le live, voilà. Et je peux composer des numéros. D'accord. Alors, est-ce que je vais vers la lampe torche? Ouais, je pense que je vais aller à la lampe torche parce que là, je vois rien. Donc, on va aller vers la lampe torche. Je vois que dalle. Je peux interagir avec un truc là. Bon, attends. On va aller vers la lampe torche. Salut, ça va? Pick up. Flashlight. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Déjà là, je verrai déjà un petit peu mieux. Donc là, il y a quoi? Mais déjà, on est où là? Pourquoi est-ce que t'as repris le téléphone? Je sais pas. Mais par contre, j'ai vu le médicament, hein, donc ça se trouve, on est peut-être dans un mauvais trip. Hein. C'est pas impossible qu'on soit dans un mauvais trip. Bonjour. Zoom. Pourquoi y a un... Oui, vous êtes là pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un zoom? Pourquoi est-ce qu'on peut zoomer avec les yeux? C'est qui est complètement con. Bien sûr. Je mets une photo, ça fait tomber un truc de l'autre côté de la pièce, pourquoi pas. Nya-ha, il y a une ombre ici. Nya-ha, ça fait peur. Bon bah là il y a le bras de Shanks, bien évidemment, dans One Piece. Ah non, c'est un mec. Ah putain, ok. Ils je pourrais zoomer. Mais j'aime pas zoomer, ça me sort du jeu zoomer à chaque fois. Parce que c'est pas normal que tu puisses zoomer avec tes yeux. Après, s'il y a des gens qui arrivent, franchement, tant mieux pour eux, mais 0,74. Ok. Tant mieux pour eux, hein, c'est des gens qui arrivent de zoomer avec leurs yeux, hein, mais moi je ne comprends pas. New film. C'est qui respire? Ouais, il y a clairement quelqu'un qui respire. Putain, il y a un gremlin. Il y a Gizmo. Incroyable. VDF. The Call. D'accord. Ouais, là il y a un gremlin. Trop bien. Ah bah là, il y a le fil au chapeau de paille, bien évidemment. On le reconnaît. Un panda. Incroyable. Superman. Donc là, le Gremlin, hein, bien évidemment. Gizmo. Gizmo. Bonjour. J'ai donné du bruit. Putain, mais c'est le bordel là sur la table. Incroyable. Mais là, tu vois, je les ai vus les médicaments tout à l'heure. Hein. Donc ça se prouve, on est complètement dans un trip. Ah, putain, j'ai exactement le même cutter chez moi. Incroyable. En fait, on est chez moi. Par contre, c'est quand même mieux rangé que chez moi. Oui, bonjour. Non, tu viens de là? Bonjour. Comment va?
Drawing of a Blue Gift. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte. Comme ça, je sais qu'il faut que je revienne vers toi. Je ne vais pas fermer la porte. Nickel. Donc, il faut me faire penser que cette porte-là, je ne l'ai pas finie encore. Et donc, tu vas où dans ce merdier? Oh putain, il y a pour lire. On peut zoomer, on peut même pas zoomer. Left, right, non. What lies beyond the light? Donc, quel mensonge derrière la lumière? Beyond, au-delà de la lumière, pardon. Behind, c'est derrière. Beyond, c'est au-delà. Donc, quel mensonge au-delà de la lumière? D'accord. Ça m'évoque très fort un. Hein. Non, mais là, il y a le cadeau bleu. Je peux mettre là le cadeau bleu? Ah, mais ça se trouve, je peux reprendre. Ah non, cette photo-là, je ne peux pas la reprendre. Ok. Allez, il y a quoi? Walking among strangers, j'imagine. I think. I want to give it back. To give, pardon, it back. Left, right, which choice? Oui, mais là. Ça a l'air des escaliers avec deux personnes devant avec un cadeau. De toute façon, je vais le garder parce que je sais pas vraiment. Je vais garder le dessin pour l'instant parce que je sais pas spécialement où le mettre. J'ai dit que c'était ici. Donc il y a quoi ici? J'ai récupéré un truc. Ok. Par contre, elle est sacrément grande la maison, hein, putain! Incroyable. C'est quand même en hauteur. Bah nickel, parfait. Pourquoi j'ai pas moyen de sprinter? Ah si, attends. Ouais, putain, gros sprint, hein. C'est pas avec ce sprint-là que tu vas échapper à quelqu'un, toi, je te le dis. Donc là, ouais, y'a rien. C'est bon, y'a plus de lumière, là. Ah si, il y a la lumière. Donc non, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Putain, y a vraiment des bruits bizarres hein, dans cette maison. Hein. Des tirs, ils fuient. Hein. Wouah, Magikarp contre des hommes. Hein. Incroyable. Do not stare at him. Il me met quand même la traduction en bas. Enfin, la traduction, le... Tire en bas, au cas où. Ah, mais il y a un étage au-dessus. Il y a un étage au-dessus. Ah. C'est la porte là-bas, qui doit être la porte de sortie, du coup, j'imagine. Bonjour. Attendez-vous à un screamer à tout moment, là. C'est. Mais en vrai, c'est le début. Je pense pas qu'ils mettent un screamer gratuit comme ça. Je pense d'abord qu'ils vont montrer le. Ils vont montrer entre guillemets la menace. Et ensuite, c'est là où les screamers peuvent arriver. Je pense pas que les screamers arrivent tout de suite. Si c'est un bon jeu d'horreur, normalement, ils montrent la menace avant avec la menace fasse quoi que ce soit. Donc là, c'est pour monter au-dessus. Ok. Ah, bah là, ça va être pareil. Ça va être pour monter au-dessus au-dessus aussi. Avec une porte. Ah, c'est pour descendre en bas. Jardin de Logar hier. Ok. Tu permets, je vais d'abord monter au-dessus. Et après, je vais descendre en bas. Merci le pléonasme. Salut Clara! C'est un jeu d'horreur, hein, par contre. C'est un jeu d'horreur, Clara. Et du coup, bonsoir Clara, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Ah, il y a une caisse bleue derrière. Intéressant. Ça marque, je suis en mode Sherlock. Le yé. Ah, le yé. Je me souviens de Silent Hill 4. Putain, yes. Ça va, vous? Ah, putain, il y a masse cassette vidéo derrière. Oh la vache! Avec une cassette bleue là-bas. Incroyable. D'accord, je ne peux pas bouger plus que ça. Par contre, la fenêtre ouverte derrière, moi je la vois aussi, hein, la fenêtre ouverte derrière. Et je peux pas l'ouvrir du coup, je peux pas l'ouvrir. Ok.
Avec l'œil. Pourquoi il y a un œil là? On est où là? Mec, il a pris des médocs, voilà. Et toi le vieux? Non mais l'autre, elle m'appelle le vieux là, l'autre. J'ai dit il. Attends, comment je la respecte pas? Malade depuis 3 jours, mais ça va. Ah bah écoute. En espérant que tu te rétablisses bien. Bien évidemment, le repos et un bon miam, ça fait toujours effet. C'est moi qui ai... Ah, ça fait du bruit. Ça me sert à rien. Hop. Bon allez, on est parti pour s'aventurer dans les profondeurs. Toujours agréable. Ah, il n'y a plus de son. Le son est revenu. Donc ça, c'était la fin de la boucle. Il y a quelque chose qui a changé. Oh putain, mais c'est tout à fait normal ça. Incroyable. Donc attendez-vous à ce que je me retourne et quelque chose. Hein. Oh putain, mais la bougie, elle est dégueulasse. Ça, tu t'amuses? C'est toi qui parles? T'as vu, c'est lui qui parle. Help me, help, help, help. Ok. Ok. There is no escape here. Seek help. Elsewhere. J'ai eu mal à le lire. Attends, mais là, il s'affiche pas le message? Ah oui, mais ça faut vraiment que je comprenne pour qu'il s'affiche. Ok. Par contre, il écrit très lisiblement, hein, la personne qui écrit. Hein. Putain, c'est impressionnant. Hein. Je m'amuse. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Help me, help me. Ah. I am lost. Je suis perdu, aidez-moi. D'accord. Oula, il s'est passé un flash dans les yeux là. C'était incroyable. Tu peux. Oui, help. Ah, il dit pas help, il dit help me, hein, si jamais. Donc la traduction, traduction en fraise. Ouais. Je sais pas comment pour t'aider, gros. Plutôt que de dire en boucle help me, tu peux pas me dire comment je peux t'aider? Je vais éternuer. Trop de poussière dans cette pièce. Ah, il veut pas venir l'éternuement, hein! Le jeu me dit un truc, c'est une démo, hein. Le jeu, je crois qu'il est pas sorti encore. C'est quoi Kairi? Kairi, c'est moi, c'est. Kairi, c'est moi, c'est mon pseudo. Techniquement, j'ai deux pseudos en fait, je porte le pseudo de Sora et de Kairi. Donc tu peux m'appeler par les deux pseudos, moi ça me va. Enfin, l'un des deux pseudos, moi ça me va, mais plus Kairi quand même, voilà. Tu peux pas me dire comment je peux t'aider plutôt que de gueuler trou du cul? Je peux rien faire avec cette porte-là. Avec ici la Triforce, incroyable. Bon, bah, on est reparti là-bas, hein, écoute. Je n'avais pas compris. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas bien grave, ça va toi? T'as l'esprit qui est là pour te surprendre. Ah, bah dis donc! Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est le début des emmerdes! Il va y avoir les screamers et tout ça qui va arriver! Incroyable! T'es où? Bébou? Il a bien changé le couloir. Si je vais là-bas, ça fait quoi si je vais pas vers la lumière? Mais c'est marrant ça! C'est très marrant ça! Tu balances dans la porte, il va gueuler par un truc. C'est quand même assez rare que je gueule, hein, mais je pense que là, de toute façon, on a c'est ce que j'ai dit. Un bon jeu d'horreur, il montre toujours la menace avant de te foutre des trucs dans la gueule. Donc là, je m'y attends maintenant à avoir des jumpscares, des screamers, des trucs qui font peur. Oui, bonjour. Si vous voulez, vous pouvez baisser la poignée pour ouvrir la porte plutôt que cogner dessus. Ça fonctionne aussi, hein, ça fonctionne tout aussi bien. Ça fonctionne même mieux, j'ai envie de vous dire.
Ça va? Tu t'es pas trop cassé la gueule? Comment tu te sens? Je me suis fait tuer. D'accord. Donc je me suis littéralement fait tuer par un drap qui a été mal lavé avec, avec un produit skip. Incroyable. D'accord. Et utiliser le chat, non? Utiliser skip, c'est quoi qui m'a tué en fait avec le drap? Le truc qui gueule, help me. Ah! Je parle de la poupée. Il n'y avait pas de poupée? Pourquoi tu parles de la poupée? Bon, nul bravo. Bah non mais attends. En même temps, je vois un drap en train de se casser la gueule. Attends, qu'est-ce que je te dise? Le gamin qui se casse la gueule, moi ça m'amuse. Hein. Le mec il essaie de faire une blague, il se casse la gueule. Moi je trouve ça trop drôle. C'est pas ça qui va me faire peur. Hein. Le petit smiley. Bonjour. Attends, mais y'a rien à gauche à droite là? Petit smiley m'a fait trop rire. Par contre, je sais pas où je vais là. J'y vais, mais. Ok, même barreau, ouais, pourquoi pas. Toujours pas ouvrir la porte. Toujours pas ouvrir la porte. Ah, mais c'est la même porte qui a été ouverte tout à l'heure. Donc en fait, on va recommencer ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, non? Cette fois, je vais pas tourner la caméra pour bien voir comment l'autre il va se casser la gueule. Il dire, t'inquiète, frérot, y'a rien ici. Non, mais totalement, on est en mode, vas-y, viens, on est bien. Vas-y, viens. Parce qu'en fait, il est sorti de là, le truc. Je crois, je suis pas sûr. Je comprends pas ce qui se passe. Ok, bah là il y a encore des grilles. Bon, on va aller là. Bonjour. Après, je me suis fait tuer par un drap. Hein. C'est. Ce truc que je note. Je me suis quand même fait tuer par un drap. Oula. Stop. Stop. Stop watching me. Arrête de me regarder. D'accord. J'ai du mal à le lire. Hein. Stop watching me. Why I hate you? D'accord, hein. Pourquoi je te déteste? Selfish. Poisson. Ouais. Keep looking at me. Ok. Ah, c'est vrai que. Voilà. The divorce was your fault. Le divorce est ta faute. Ok. No one wants to play with me. With you, pardon. Personne ne veut jouer avec toi. Selfish, égoïste. Ok, merci. Bah, je ne savais pas du tout. Merci. Parce que pour moi, self, c'est oui, c'est soi-même. Et fish, pour moi, c'est poisson. Hein, donc, bon, poisson toi-même. D'accord, mais merci Clara. Every time I look at you. D'ailleurs, t'es au courant, Clara, que Junko il va faire des cours d'anglais en live? Auquel moi et Anna, on sera présents pour qu'il nous apprenne l'anglais? Ouais, si t'es pas au courant, maintenant t'es au courant. Ungrateful, ingrat. Ok. Oh, merci, merci. Every time I look at you. You have? C'est pas have ça, c'est pas AVE, ça serait pas. Ah putain, are happy! Oh, wow, j'ai lu un V incroyable. Why it's not why I remember. Chaque fois que je te regarde, tu es heureux, pourquoi est-ce que ce n'est pas ce dont je m'en souviens? Ah pourquoi, pardon, pourquoi tu es heureux, ce n'est pas ce dont je m'en souviens. Ok. Je viens juste pour toi. Pourquoi tu viens juste pour moi? Faut pas que tu viennes juste pour moi, hein. Faut que tu viennes si ça t'intéresse. That's what I remember. Weed, ok. Il n'a pas dessiné quelque chose d'original depuis longtemps. He just were moving his like over and over again. Ok, c'est juste des films qu'il aime encore et encore. I still don't understand why he keeps drawing. Calme-toi à gauche, je t'entends dans mes oreilles. Après, je pense que c'est sûr que ça a été que des gens anglais hein, qu'on a fait. Hein. C'est incroyable.
Ah ben, il y a un sac là, tu veux pas regarder dans le sac à main, c'est de l'argent ou quelque chose, non? Je compte, c'est même pour monnaie. D'accord, la porte m'a poussé, hein, impressionnant. Et là, je suis revenu dans la pièce, ok. Je suis revenu ici, du coup. Par contre, hein... ah, attends, est-ce qu'on voit quelqu'un? Ce serait trop bien qu'on voit quelqu'un à travers... Ah, mais non, on voit rien. Par contre, je sais toujours pas où placer mon truc. Ça m'emmerde. Je vais pas récupérer, hein. Trouving a blue gift. Parce qu'au-dessus là, il y a un cadeau, mais je sais pas où le mettre. Wow, la barre. De quoi la barre? Car toi, plus sur les. Ça va en vrai. Hein. En fait, c'est que je comprends l'anglais. Je comprends à peu près l'anglais, mais j'ai du mal à le parler. Et oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis d'attendre? C'est écrit quoi? De quoi c'est écrit quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Retourne-toi. Bah quoi? Sous les dessins, j'ai pas lu. Ah pardon. Déjà 0,74, je sais pas quoi en faire. Là, il y a marqué What lies beyond the light? Donc quel mensonge derrière, enfin quel mensonge au-delà de la lumière? Là, c'est quoi? C'est Walking. Mais Walking, pour moi, il y a deux L. Hein. Ah ben non mais c'est Walking, c'est pas... Putain quel con. Walking, Among Strangers, I think. I want to give it back. J'ai vu que tu me le redonnes. Ok. Left or right. Mais c'est peut-être là en vrai. Watch. Attends, j'ai pas moyen de... Attends. Si je fais... Si... Voilà, merci. Ça serait peut-être plus simple pour lire. Left or right. What choice will. Oh, j'ai trop mal à lire. Will be the good one. Je pense que ça va être ça en vrai. Là, je vois deux personnes, donc je pense que ça va être ça en vrai. Vais partir là-dessus. J'imagine que je peux pas mettre la flashlight. Ouais, non, je peux pas mettre la flashlight. Donc, à mon avis, il va falloir que je trouve les autres dessins. Je sais que dessin veut dire quelque chose. Oui, mais en fait, le nom du dessin n'est pas, ne correspond pas en fait à là où je dois placer le dessin. Donc là, mais c'est fini, oui. Incroyable. Non, parce que tout à l'heure, j'ai mis le dessin là, là. J'ai mis celui-là tout à l'heure. Chance. Non, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. C'est celui-là que j'ai mis tout à l'heure, pardon. Donc le chemin est ouvert et là en fait c'est juste c'est marqué je crois le placard avec des étagères brisées et ça a marqué du coup bah, the path pardon is open donc la porte est ouverte le chemin est ouvert mais ça n'avait rien à voir en fait. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve les dessins et surtout où les mettre en fait. Je pense que ça va être ça le but du jeu. Je viens de là, et par tous les chemins j'y reviens. Là il y a une porte, mais je crois que la porte est fermée. Je n'y ai pas accès à la porte. Ah c'est ça. Et au bout là-bas c'était fermé. Du coup est-ce que cette fois, est-ce qu'il faut que je monte à l'étage? Ou pas? Parce que l'étage c'était aussi fermé l'étage. Mais ah non, mais c'est là où j'avais trouvé le dessin. Donc oui, y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Est-ce que le téléphone va sonner? Toujours le même message. Do not stare at him. Oui, toujours le même message. Toi, tu te fais toujours rien. Attends, c'est 076. Si je fais 076. Lol, bien sûr. Si je fais SOS, ça fait quoi? Hop, qu'est-ce qu'on se marre? 0,79, pardon. Attends, pour moi, c'était 0,76. Bon, bah voilà.
C'était vraiment très intéressant. Oui, non, mais pour moi, c'est 0,76, hein, c'est pas 0,79. Hein. 0,74. Oh, pff, oh, bah d'accord. Oh putain, les bandes de broquignoles, quoi. Bah nickel, incroyable. Attends, mais du coup, est-ce que c'est un numéro américain en vrai? Non plus. On est con. Oui, on est complètement con. Attends, mais il y avait pas un... Attends, mais si, je crois que c'est au-dessus, un œillet. Un endroit où il y avait un œillet. Enfin, j'appelle ça un œillet, mais normalement ça s'appelle un œil. Mais moi j'ai toujours appelé ça un œillet. Là, c'est au-dessus, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est au-dessus où y a l'œillet. Est-ce que ça a changé quelque chose à la salle ou pas? Mais il y a toujours cette fenêtre ouverte. Hein. Mais pourquoi ça n'a rien changé à la salle? Quand il y a la cassette bleue, qui à mon avis je vais devoir mettre dans le magnétoscope. Et il y a cette espèce de page blanche devant. Avec la fenêtre ouverte. Mais. Il n'y a rien que je puisse faire. Et là-haut, je ne peux pas encore y aller. Je ne sais pas comment faire pour accéder là-haut. Là, tu ne me retireras pas de l'idée qu'il y a un contour là. Juste. Putain, sensibilité, je vais monter. Juste là, t'as une espèce de contour. Ah, mais c'est un siège. Putain, je suis en train de dévisager un siège, quel con. Donc l'œil avec les câbles. Ah putain, mais c'est ça la fenêtre! Attends, quoi? Pourquoi est-ce que l'œil me montrerait ça? Ben oui, mais c'est ça qui me montre l'œil. Avec la cassette qui est juste là, la cassette bleue. Mais du coup, comment faire pour y accéder? Ah, comment faire pour y accéder? Ça s'appelle les flics. Le 911. Non, mais à mon avis, il y a juste plus de tonalité dans le bordel. Ça va juste sonner, tu sais, les clichés des films d'horreur. À mon avis, ça va être tout. Ah! Oui, voilà. C'est mon avis, pour moi, il n'y a vraiment pas de tonalité en fait. De toute façon, il n'est même pas branché le téléphone, il n'y a même pas de câble au téléphone. Comment il peut sonner le bordel? Mais c'est tout. Non, mais on va retourner en bas. Ouais. Ça se trouve, il va falloir que je fasse ce truc, mais sans me faire choper par le bordel. Bah, du coup, je sais pas où aller, moi. Kai, oui. Ah! Ouais, mon avis, comme ça quoi tout à l'heure. Il y avait un truc écrit à côté du tel. Ah ouais? Ça se trouve, je l'ai lu tout à l'heure, mais vu comme t'es arrivé en cours de route, j'ai complètement oublié ce que c'était. Donc je te dirai si je l'ai lu tout à l'heure ou pas. Ah oui, il y a marqué help. Oui, c'est ça, il y a marqué help. Oui, bah ça, oui, je l'avais déjà vu tout à l'heure, ça. Par contre, tu veux pas juste prendre la photo et la remettre. Putain, mais. Pourquoi ça fait le bruit de quelque chose qui est suspendu à une corde? C'est trop chiant. Non, mais on va aller. Hop, on va retourner là-bas. Je crois. Attends, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est en train de vivre le jeu d'horreur comme moi là, c'est incroyable. Donc là-bas, j'imagine qu'il y a toujours rien. C'est toujours les grilles. T'as le temps que les grilles me mettent à parvenir à mes yeux, c'est impressionnant. Attends, mais je suis censé aller où alors?
9, 5, 1, 2, 1, 6. Mais qu'est-ce que t'es en train de me noter? C'est les positions de l'alphabet. Je vais bien tenter, mais à mon avis, je doute. À mon avis, je pense ici, je dois avoir une porte à ouvrir. Je le vérifierai tout à l'heure. Vas-y, je vais tester ton truc, mais. Il y a un moindre qui est triste là. Je sais pas, je vais refaire la même route que tout à l'heure, mais je sais pas si ça va me faire quelque chose en fait. 2, 1, 6. Toujours pas. Mais je vais faire la route, je vais redescendre en bas et je vais faire toute la route que j'ai faite tout à l'heure. Ah bah non, mais j'étais remonté tout à l'heure. Je vais faire toute la route que j'ai faite tout à l'heure, on verra bien ce que ça va donner. Oui, bonjour le pchit, oui. Donc help me, oui. Voilà, donc là t'es en train de gueuler help me. Help me, attends, je vais voir. Il n'y a rien. On va remonter au-dessus du coup. Est-ce qu'il va y avoir le gamin qui va faire sa farce? Bon, on va voir ça. Donc, il n'y a plus le gamin qui fait sa farce. Je parle pas de la cuisine. Donc là-bas, ouais, bah non, mais on est parti pour faire toutes les portes une par une, hein, écoute. Parti pour faire toutes les portes une par une. Tu live demain aussi? Alors demain oui je suis en jeu coop où il va falloir se creuser les méninges avec Junko. Et dimanche je suis en live pour passer la nouvelle année ensemble. Du moins pour ceux qui n'ont rien de prévu. Donc oui demain je live à partir de 20h j'espère. Je vais voir ça avec Junko. 20h ou sinon 21h ou plus tard je serai en live. Puis après je pense que ce sera aussi 20h pour dimanche où que je commencerai à me mettre en live. Ce sera la même chose. Ah oui, j'allais dire, mais là on voit autre mère, mais oui. I miss him, il me manque. D'accord. Ah putain, mais je l'avais pas vu ça! Drawing of Dark Path. Donc le chemin sombre. Dessiner le chemin sombre, 5-2-2. Putain, mais je l'avais pas vu ça! Mais putain, mais quel con je suis moi, incroyable! Tu tournes en rond, Kai. Bah oui, mais j'ai pas le choix de tourner en rond en fait. J'ai pas d'autre chemin qui s'ouvre à moi. Le nouvel an, oui. Donc il m'en manquera toujours une après. Hein. Et j'imagine c'est ça. Quel mensonge au-delà de la lumière. Je pense que ça doit être ça. Du coup. Et là, 0, 7, 4, 5, 2, 2. C'est ça, hein, 074 522. Deux. 0, 7, 4, 5, 2, 2. Ah. Tu espionnes avec tes petits yeux, tes petits quelque chose, avec. J'espionne avec mes petits yeux une petite chose. Donc ça c'est l'œil qui se trouve en haut ça. Donc on va retourner voir l'œil. L'inverse ça marche aussi? Je sais pas, on va tester. Mais je pense pas que ça marche en vrai. C'était quoi cette 5 2 2 du coup 0 0 7 4. Merde. Non, c'est 5, 2, 2. Attends, c'était quoi? 5, 2, 2, 0, 7, 4, oui. Hop. Ça ne fonctionne pas. C'est direct.
J'ai dit oui, l'inverse marche aussi. 5 de 2, 0, 7, 4. Du coup, non, ça ne marche pas. On tombe sur la tonalité. Et voilà, donc demain soir, si vous voulez vous venir, vous creusez la tête avec moi et Junko. Sachant qu'aussi, il y aura ma POV et la POV de Junko sur l'autre chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez, vous pourrez suivre les deux points de vue si cela vous intéresse. Non, ça c'est en bas, ça. C'est en bas. C'est au-dessus que je vais aller. Alors, est-ce qu'on va voir une tête, un œil? Est-ce qu'on va voir quelque chose de l'autre côté de l'œil ou pas? Bon, déjà là, clairement, il n'y a rien. Bonjour. Alors. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, c'est ce qu'on appelle se prendre un coup de porte dans la gueule. Bonjour. Alors. Oula. Your dream is falling. D'accord. Ton rêve est tombé, j'imagine. C'est quoi l'autre chaîne YouTube? Je te la mettrai. Bah justement, on va tester demain. De toute façon, au pire, demain soir, tu viendras sur ma chaîne. Parce que normalement, j'ai fait en sorte qu'il y ait une notification de l'autre chaîne YouTube aussi qui fonctionne. Comme ça, demain, on testera si l'autre sur mon serveur Discord. Du coup, le serveur Discord que tu as dans la description, tu peux aller voir. Comme ça, on testera si ça fonctionne ou non. Attends, mais j'ai vraiment récupéré la feuille? Ah, comment je... Ah oui, inventaire comme ça. Ah non, note. Ok, d'accord, donc c'est deux choses différentes. Y a pas d'autres. Attends, je regarde. Y a vraiment pas d'autres. Y a vraiment que ça. Y a vraiment que ça. Donc là, faut que je tombe en bas. Enfin, que je descende, du coup. Au niveau des câbles qui vont gzz. Ton rêve des failles, non? Des failles, tu penses? Parce que your dream is over, c'est ton rêve est terminé. Pour moi, c'est plutôt ton rêve tombe en miettes ou des carrés comme ça en fait. Donc oui, des failles ou c'est frites, à mon avis, ça doit marcher aussi. La télé est là, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, la télé est là. Hop. Oui, bah, mais là. Donc ça c'est l'espèce de triforce qu'il faut que je mette dans la pièce en bas où il y a le mec qui arrête pas de dire help me. Alors par contre le coffre je sais pas du tout où il se trouve. C'est un dessin ça en plus qu'on est en train de voir. C'est carrément un dessin qu'on est en train de voir. Ça, c'est moche à fleurs. Parce qu'il me semble que le truc, c'est ici. Non, c'est pas là. C'est clairement pas là. Ouais. J'ai l'impression d'avoir reconnu ce chemin-là. Attends, je regarde à gauche, à droite, mais il n'y a rien. J'ai flippé à cause du pouf, j'ai cru que c'était une tête. Ah bah bravo! Et là, je peux pas aller plus loin que ça. Par contre, les endroits, j'ai vraiment pas souvenir de les avoir vus. Hein. Pareil. Ah bah bravo! Incroyable! Ah, par contre, il n'y a pas de porte. Ah, si, il y a une porte, putain, mais je suis con, moi. Par contre, j'ai aucune idée. Oui, avec la guérir, si tu veux, oui. Chose qu'il aime. Movies. Ah, mais ça, mais. Aurore. Ok.
Boys Pain. D'accord. His Dog? Bah, moi je lis His Dog déjà. Oh, qui c'est qui faisait ce truc avec le S? Putain. J'ai connu ça quand j'étais gamin, moi, ce truc avec le S. Mais du coup, j'ai aucune idée d'où chercher maintenant, moi, en fait. Ah oui, d'accord, toi, t'en es à ce stade-là. C'est écrit quelque chose sur le mur. Ici, là? Parce que tout ça, on l'a lu déjà tout à l'heure. Non, mais j'ai compris que tu parlais de ce pot-là. Tu me dis aveugle. Tu parles du pot qui est là, là. Ce pot-là, là. Sauf que déjà, vu la taille du bordel, ce serait plus un buste pour moi qu'une tête, hein, déjà. Parce que la tête, elle serait obligatoirement au-dessus. À droite. Attends, parce que vous êtes en train de gueuler. Oui, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et pour la porte aveugle. Pour la porte, c'est l'aveugle. La porte, c'est l'aveugle. Merde, c'est pas là. Ah oh, putain, poussez-vous. Pour la porte, c'est l'aveugle. Oui, c'est stop watching me, c'est arrêter de me regarder, oui, message à l'envers. Ah, tu penses qu'il faut se mettre de l'autre côté, genre je sais pas, ne pas regarder, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi c'est. Ok, quelque chose derrière, je sais pas, non. Non, je sais pas si je regarde pas que je recule. Ah, non plus, ça fait pas. Non, ça fait rien. C'est un code. 2104. Est-ce que t'as vu un code? Où est-ce que t'as vu un code? Moi j'ai vu des trucs dans le miroir aussi. L'heure sur le mur. Putain, mais vous voyez des trucs que je vois pas, c'est impressionnant. Bon, c'est juste que vous êtes en train de psychoter sur des trucs. De toute façon, je peux pas fermer les portes, donc si jamais il y a quelque chose derrière la porte, je le verrai pas. Donc techniquement, il devrait rien avoir derrière les portes. Et là, de toute façon, il me manque encore une photo. La question c'est où se trouve la photo? Est-ce que j'ai moyen de re-regarder la cassette ou pas? Fixe-le. Fixe-le. Fixe-le, attends. Bah tiens, je le fixe. Pas ça. Pourtant, c'est là où il y a marqué donc stop watching me. Le miroir. Mais quoi, ça là? Tourne. Qu'est-ce que... L'autre pièce. Donc je reste ici, que je regarde comme ça, c'est ça? Je saurais pas pourquoi ça ferait quelque chose en fait. Pour l'instant, on n'a pas une mécanique où il demandait quelque chose de spécifique. Pour l'instant, c'est juste trouver les choses et les mettre. Donc pour l'instant. Donc le jeu n'a pas demandé quelque chose de spécifique. Voilà quoi. Oui, New Film. Ça, il est aussi dans l'autre pièce, New Film. Non mais par contre, il faut vraiment pas que avec Clara on joue à un jeu. Putain, j'ai cru que c'était un code.
Non, pas où il faut un jour où il faut réfléchir avec Lara parce qu'on va partir trop loin tous les deux. C'est à l'envers, le code est là. Vous voyez vraiment un code? Sans déconner? Est-ce que vous voyez un code? Par contre, faut vraiment me dire où est-ce que vous voyez le code, hein. Sur le mur. Putain, je dois être aveugle, là, je vois pas. Hein. L'envers des chiffres. Des chiffres là-bas, là? Attends. Quoi, est-ce qu'il y a là-bas, là? Je comprends pas ce que vous regardez, en fait. Sur le miroir. Je vois rien. Hein. Le stop. Et vous pensez vraiment que ça, c'est un code? Oui. Ah ouais, non, mais à mon avis, là, vous partez beaucoup trop loin, en fait. Hein. Je pense que vous partez beaucoup trop loin. Hein. Du coup, oui, c'est bon, oui, j'en fais un vu où est-ce que vous voyez un code, mais. Pour moi, vous partez beaucoup trop loin. Hein. De vous à moi, je vous aime bien, mais. Pour moi, y a zéro chance que ce soit un code. Hein. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Pour trouver ça. Parce que ça, ce truc-là, je sais où il va. Ne s'ouvre pas. Oh, putain, il est là. Oh, le con, il est là. Oh, je l'avais sous les yeux depuis tout le début du jeu, je l'ai même pas vu. Attends, mais y a un truc là normalement. Non, y a rien. Ok. Oh le con, je l'ai sous les yeux depuis tout le début du jeu, je l'ai même pas vu. Quel abruti je suis. Attends, je vais regarder encore une fois la cassette jusqu'au bout pour être sûr de tout comprendre. Puis ce sera bon. Donc la clé, je l'ai récupérée. Donc ensuite, tu me montres un coffre. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un cadenas dessus. Cadenas à chiffres. Là, tu es dans un sous-sol. Avec, t'as regardé un pilier. Il y a le cadeau. Ouais, c'est. À mon avis, il va falloir que je regarde plusieurs fois pour vraiment bien comprendre. Et surtout que je voie les zones en fait pour vraiment bien les comprendre. Donc là, il faut redescendre en bas avec l'autre qui va faire help me, help me. Incroyable. Ça, on peut pas l'ouvrir, on peut pas se cacher, donc à mon avis, rien à faire avec. T'as vu les chiffres qui popent sur l'écran? Mais c'est pas possible, vous voyez des choses que je vois pas moi. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que cet enfer?
Ah oui d'accord, je vois, oui. Dans ce cas, t'oublies le 1 si jamais. Le premier chiffre qui apparaît, c'est le 1. D'accord, mais oui, je comprends de quoi tu parles. Par contre, ça, j'avoue que c'est, j'ai pas percuté. Je pense que j'ai pas percuté, mais je pense que c'est tellement mis en évidence que je pense que ça, par contre, c'est pas un code tiré par les cheveux. C'est un code pour le coffre. Non mais ouais, je pense. Tu vois, et pourtant il m'a pas sauté aux yeux. Pourtant, la première fois que j'ai vu, j'ai visualisé les chiffres. J'étais en mode, mais pourquoi il met des chiffres ici alors que c'est la même image après? Alors que je suis complètement con, hein, parce que j'aurais dû tout de suite. J'aurais dû tout de suite y penser, hein, mais j'ai vraiment pas pensé. Et pourtant j'aurais dû. Ça a vachement changé ici, dis donc. C'est une toute autre ambiance, hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Et ça, c'est le symbole qu'il y avait sur le bordel, voilà. On dit merci Clara. Oui, merci Clara. Des bisous. T'es la meilleure. C'est juste dommage que t'es pas là pour tous les jeux d'horreur que je fais. Ah mais je mets même pas le. Bon bah je le mets pas, écoute, c'est parti. Look down, nothing. D'accord. J'ai mon nez qui me gratte. D'accord, donc là je peux rien faire. Je sais, t'es adorable, merci. Chapelier fou, il a changé. Putain, Chapelier fou, c'est pas une référence à Alice, Alice, je sais pas quoi. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Sinon, c'est marrant, ça. Quelqu'un? Des escaliers. On va penser que là, il y a des escaliers. Si jamais il y a des escaliers, il faudrait penser que là, il y a des escaliers. Là, ouais, il y a. Bon, il y a un chemin détruit en tout cas avec des escaliers. Là, il y a une porte scellée. D'accord. Toujours plus. C'est vrai que j'entends une respiration derrière moi ou. Qu'est-ce que c'est que cette. Putain, mais elle est trop bizarre cette baraque. Trop bizarre cette baraque. J'ai peur. Mais non, t'as pas peur, t'inquiète. Au pire, y a un truc qui va passer devant l'écran et ça va être tout. Ah bah yes! Attends, normalement, ça en même temps, ça fonctionne plus. Incroyable! Bonjour! Ça va? Que je vais à la droite? Il y a quoi par ici? On est d'accord que ça c'est pas normal, hein. On est d'accord que ça soit c'est un vieux qui a une très très bonne érection, soit littéralement il y a quelqu'un en dessous du truc. Parce qu'on est d'accord que ça c'est pas normal, hein. Ça va toi? Ça va? Non, je. Dans ce cas-là, je vais pas aller par là en premier parce que je pense qu'au moment où je vais aller là-dedans, il va y avoir un truc où avec les lumières qui vont s'éteindre, je vais me retourner, lui, et il sera plus là. Donc je pense qu'il faut que d'abord j'aille voir ici, et après on verra. Mais n'aie pas peur. Oh. Ça va d'avoir peur. Ça va toi? Mais dis donc. Tu penseras à faire gaffe, hein? Tu penseras à faire gaffe, ta maison est mal au point. Hein. Qu'ils se marrent en tout cas. Ça consomme bien aussi.
D'accord. La logique. J'assume, je te donne le flambeau des codes. D'accord. Je préfère de jour, je suis pas rassuré de campagne chez moi. Oh. Écoute, le jour où tu auras des gamins qui viendront à 3 h du matin pour toquer à tes volets, tu m'appelles, hein, parce que moi je l'ai vécu ça. Ouais, il va faire une dinguerie, je le sens. Ah, mais là on est de l'autre côté du coup. Corridor. C'était sûr. C'est le premier costume de Spider-Man? Je sais pas qu'il avait ce costume-là, Spider-Man. Oui, bah non, mais autant que je passe par là, du coup. J'ai presque envie de regarder au-dessus, s'il passe. Victoria Spider-Man! La violence gratuite envers Peter Parker. Façon, là, techniquement, il est pas loin, hein, parce que ça, c'est voilà, on était au-dessus là. Techniquement, il est pas loin. Hein, donc, attendez-vous à avoir un screamer ou quelque chose. Hein. Je parle de screamer, mais ça se trouve, le jeu, il va faire 0 screamer tout le long. Ça va être impressionnant. C'est trop classe en vrai qu'ils mettent juste de l'ambiance sans screamer. Ah, donc j'avais bien raison sur les cadeaux. J'ai demandé Peter Parker. Pas Peter Squatter. J'ai demandé, hein, bien évidemment. Par contre, c'est ouvert. Oh. Oula, je sens venir le screamer. Préparez-vous. Screamer. Attention, on se retourne. Ouais, non mais 100%. Ah d'accord. Va Clara, tu te sens bien? Il y a d'autres Peter Parker, ça va? J'adore. Putain, mais c'est quoi, c'est une secte? Mais en fait, on est où là? Parce que j'ai. Pardon, Peter, t'es génial. Ça va, vous? Attends, il me regarde ou pas? Oh, mais ils me suivent pas du regard, c'est triste. The choice. Ah, mais j'ai pas le cadeau. Mais j'ai pas le cadeau, moi. J'ai pas le cadeau. Parce que normalement, il y avait le cadeau dans le bordel. Ouais, tu vois, je peux rien faire. Donc, faut que je trouve le cadeau. Oh putain, quel enfer. Mais c'est pourquoi j'ai peur, non, tu vas me dire. Car à chaque fois que je mets un truc en rapport avec l'horreur ou autre, ma chambre devient glaciale. C'est ce qu'on appelle la pression, ça. Comment ça, mon ref? Tu veux faire une invocation des fantômes ou quoi? Bah écoute, hey, en tout cas, ils se tapent la meilleure barre de leur vie. Hein. Par contre, j'ai pas le cadeau. Merde, je sais pas où est le cadeau. Pas le cadeau, toi? Mais du coup, si on a vu des codes, à quoi ils servent les codes? Où est-ce que je peux trouver le cadeau? Putain, y a un truc qui me. Qu'il y a certaines portes comme celle-là, je peux pas l'ouvrir. Y a un truc qui me. Qui me frustre un peu. Truc qui me frustre un peu.
C'est pas une impression, c'est vrai. J'ai du froid sur tout mon corps. Mais mettons sur la couette. Oh là là, je te jure. Non mais rappelle-moi que si je fais un jeu d'horreur, de te prévenir de ne pas venir, hein, Clara. Il n'y a pas de, souci. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Ça, on l'a fait. Ça, c'est le coup de l'œil. Ça, c'est quoi? Trop bordélique. Ça, c'est le téléphone. Donc, avec le numéro qu'on a récupéré. Ça, c'est. Now here. Maintenant ici. Je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la fameuse porte qu'on vient de déceler. Donc, la photo qu'on a récupérée, évidemment. Ça, l'étagère cachée. Cachée. The path is open. Mais ça me dit rien. Donc, The Death, j'en fous. 2019, d'accord. Donc, ça, à mon avis, vu les contours rouges, c'est là où il y avait. Où y a, voilà, où il y a tous ces trucs-là là, qui nous attendent. Mais moi, c'est ça. Où est-ce qu'on trouve le cadeau? Parce que le cadeau, c'est ce qui nous sert justement à pouvoir choisir le chemin. Et après, sur l'un des deux chemins, en fait, il y en a un qui est le bon et l'autre qui est pas bon. Mais... Où est-ce qu'on trouve le cadeau? Qu'y a-t-il au-delà de la lumière? Après, il montre les cadeaux. Est-ce que dans un couloir, je dois éteindre ma lumière pour pouvoir avancer? D'ailleurs, tu noteras aussi que le coffre, on l'a pas encore vu, le coffre. Je suis sur la couette nounouille. D'accord. J'ai du mal, mais je peux. Parce que, disons que les prochains jeux d'horreur de sûr que je vais faire, qui risque de prendre plusieurs, qui va être un let's play, c'est Silent Hill 2. Mais encore, ça, c'est pas de l'horreur, c'est pas de l'horreur ambiance, ambiance noire comme ça en fait. C'est plus de l'horreur psychologique. Bah merde. Les morts sont là. D'accord. Sache que je te trouve terrifiant. Je vais pas le prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui? Sache que je te trouve terrifiant. Non, y a rien, on est d'accord. Hein. Ah non, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Un Teletubbies possédé. Ou Babouche possédé. C'est un singe. Je ne peux rien faire avec. Pourquoi je peux rien faire avec? Pourquoi est-ce qu'il est là si je ne peux rien faire avec? Oh, putain, il est là. C'est quoi le code qu'on a dit tout à l'heure? C'est 1 7 2 5. Je sais plus, c'est ça, 1, 7, 2, 5? Attends, je vais remonter le chat, parce que voilà. Ah bah c'était ça, d'accord, mais même pas eu besoin, ok. Ah mais ça c'est, oui, bah si, je sais où c'est, du coup. Je sais parfaitement où c'est. C'est la porte à côté de là où je vais à chaque fois, en fait. Non, oui, c'est là qu'il faut que j'aille, je crois. Oui, c'est là qu'il faut que j'aille. On va courir un peu. Mais non, mais c'était pas là. Quoi? Attends, mais je viens d'où?
Ah ça y est, le jeu est en train de... Voilà, le jeu a réussi à me brain. On est d'accord qu'il y avait un chemin sur la droite? Enfin, il y avait un chemin, oui, mais ça menait quelque part. On est d'accord. Parce que là, si le jeu il me force à se prendre ce chemin-là... C'est que ça sent quelque chose. Normalement, c'est cette porte-là, du coup. Oui, c'est ça, c'est cette porte-là. Non. Ah d'accord, c'est moi qui me... Ok, pourquoi pas. Alors, montre-moi. D'accord. What is so painful? You should have gone there. Ok. Ça oui. Ah, et c'est là. Et du coup, là, il faut que je trouve le chemin. Bon, au final, il n'y a qu'un chemin, donc ça va pas être compliqué. Ça va être compliqué, il n'y a qu'un seul chemin. Ok. Et à mon avis, c'est là où va commencer le jeu du labyrinthe. Et là, je vais me perdre comme un caca. Ah, la porte en brique! On l'avait vu, la porte en brique! Dans le couloir. Là, je sens que je vais me perdre comme un caca, ça va être impressionnant. Ah, le retour de Peter Parker. C'est incroyable ce rire. D'accord. Je suis coincé? Je suis coincé. Ok. Oh, faut aller vers Peter Parker. Qu'est-ce qu'on se marre? Toute façon, là, il n'y a rien. On va encore avancer d'un cran. Ouais, mais c'est quoi toutes ces portes en... toutes ces portes condamnées, là? Mais là, je peux encore avancer. Ah. Tu peux faire un jeu de lumière. Donc là-bas, il y a un mur, j'ai l'impression. Il y a un mur, mais on peut quand même y aller, j'ai l'impression qu'il y a une porte là-bas. Allô? Je ne te vois pas, hein, si tu es par là, je ne te vois pas, sache-le. J'ai très envie d'aller par là-bas, du coup. Ça va, toi? Bon, bah, dans ce cas-là, on va pas aller par là-bas. S'il est par là, ça veut dire que c'est par là. On va plutôt aller par là. Et là, je suis enfermé du coup. D'accord. Donc il faut vraiment aller vers là où il y a Peter. Il n'y a pas le choix. On l'appelait Pierre Parker comme à l'époque, comme à l'époque de l'animé de je ne sais plus quelle année. L'animé des années 80, je crois. Pierre Parker. Je ne te vois pas, hein, sache-le. Hein. À mon avis, ça fait deux fois que tu essaies de me faire peur, ça fait deux fois que je te loupe. Hein. Il faudra que tu penses à faire ça dans mon champ de vision la prochaine fois. Surtout qu'en plus, c'est pas compliqué pour toi, tu vois mon faisceau lumineux, donc. Honnêtement, t'es pas censé louper ton coup, hein. Par contre, pour revenir sur mes pas, ça va être impressionnant après. Hein. Oh, je vais être complètement paumé. Hein. Oh ouais, non, mais c'est trop grand pour moi, ça. Je peux pas. Je ne peux pas. C'est trop grand. Ah oui, il y avait des... Ok. On a perdu quelqu'un. C'est Clara qu'on a perdu ou c'est ou c'est Jacine qu'on a perdu? Tu sais que je t'entends faire clac 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 sur le sol. Hein. D'ailleurs, tu me diras si t'as pas mal aux pieds hein, quand même, hein, ou à la, aux mains, parce que tu t'as l'air de te balader à quatre pattes. Ça a quand même l'air de faire sacrément mal. Putain, mais c'est pas là, mais c'est où? Oh, je suis complètement paumé, c'est bon.
Ça commence. Wouhou, c'est l'éclate pour moi. Du coup, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut que j'aille. Là, j'y étais là. Bonjour. Bon, si je revois Pierre Parker, c'est que c'est bon, hein. C'est que je suis sur la bonne voie. Oh putain. Ah, bonjour monsieur Mur. Putain, mais quel enfer. Putain, mais c'est où? C'est là? Y a plus aucun. Y a ni Clara ni Jassim qui est en train de parler, c'est impressionnant. Soit ils sont tous les deux à fond dans ce qui se passe, soit à fond dans l'ambiance, soit littéralement, ils sont plus là. Putain, mais attends, mais je suis pas en train de retourner sur mes pas là? Oh, putain, mais j'ai aucune idée. Non, mais j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais. Hein. C'est pour ça que j'admire énormément les personnes qui arrivent à faire du gauche-droite. Ah, je me souviens, là, je suis passé à droite, là, c'était à gauche. J'apprécie énormément. Par contre, Pierre, est-ce que je peux te voir pour que tu puisses me guider? Je suis admiratif devant ces personnes-là parce que c'est tellement pas mon cas. Ah, si, mais là, j'y étais tout à l'heure, là, je peux pas y aller ici. Oui, non, c'est ça, je peux pas y aller ici. Pierre, on peut pas allumer les bougies en vrai. Pierre, je sais pas, tu dégotes une allumette, t'allumes les bougies, ça te fait un repère quoi. Après, si Pierre Parker s'amuse à venir souffler sur tes bougies pour te faire chier, bon bah. Là, en effet, j'ai pas grand chose à te conseiller, mais. C'est mieux ça? C'est la 12 juin, c'est ça? C'est ça la blague? Putain, c'est la 12 juin. Et merde. Et quelque part dedans, tu veux dire. T'es en train de me dire qu'il y a le cadeau quelque part là-dedans, j'ai aucune idée d'où il se trouve le cadeau. Oh. Putain. Je l'ai même pas aperçu hein, en plus, hein, c'est ça le pire. Je me dis, c'est vraiment ça le pire, c'est que je l'ai même pas aperçu une seule fois le cadeau. Oui, pardon. Attends, mais je suis allé là-bas? C'est vrai que je peux courir. Parce que j'évite de courir pour essayer d'apercevoir Pierre Parker, mais. Oui, j'ai. Putain, mais j'ai diète ici. Clara, t'es là? Non, mais là, il reste plus qu'une personne sur la live, je pense que t'es tout seul. Je pense que t'es tout seul, Jassim. Hein. Je pense que Clara n'est plus là. Je pense que Clara, là, elle a quitté. C'est un petit peu trop pour elle. Il était là, je crois, tout à l'heure. Mais on peut pas y aller là. Pourquoi il était là ce con-là? Pourquoi il était là le Pierre Parker là? Attends, parce qu'il était là. Si je m'en vais à l'opposé, du coup, c'est-à-dire ici. Ben non, c'est un cul-de-sac. Ah, putain, mais il y a... Oh là là. Oh, je suis désolé, mais j'aime pas ce passage-là, je l'aime vraiment pas. Parce que c'est trop labyrinthique pour moi, en fait. Et je suis incapable de me repérer dans tout ce bordel. Live, il s'arrête à quelle heure? Du coup, je le terminerai une fois que j'aurai terminé cette démo. Ah là, voilà. Ça peut répondre à ta question. Une fois que j'ai terminé cette démo, on se stopperait ici. Ah, je l'ai. Enfin. Attention, est-ce qu'il va y avoir un screamer? Blue Gift. Ah oui, du coup là, tout est allumé. Du coup, gauche ou droite? Pour donner le cadeau.
On donne à celui de gauche ou on donne à celui de droite? Sachant qu'on ne verra qu'une seule des deux fins, hein, parce que la deuxième fin, clairement, je la ferai pas. Hein. Parce qu'il n'y a pas de save, donc il va falloir refaire tout depuis le début. Et clairement, je le ferai pas, je le ferai qu'une seule fois. Donc celui de gauche ou celui de droite? C'est là, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas là. Putain! Si, c'est là. Non, c'est pas là. Putain, c'est pas là. Oh. Putain, qu'est-ce que... Oh, putain, vivement que je sorte de là, par pitié. J'en peux plus. Tout à l'heure, sans le vouloir, j'ai trouvé la sortie. Là, maintenant, je suis même plus capable de le trouver. Ah bah c'est malin ça! Donc ça veut dire que j'ai trouvé, c'est ça? C'est là? Non, c'est pas là. C'est où? Putain, mais j'ai pas trouvé! Ah. J'en ai marre! Putain, mais là c'est. Mais. Mais c'est. Mais c'est là! C'est pas possible. Non, c'est pas là. Oh, putain, c'est là. Oh, enfin. Oh, mais quelle tristesse. Putain, mais plus jamais je retourne là-dedans. Oh là là, quel enfer. Ah, y a plus de lumière. Si, il y a la lumière. Donc là maintenant je peux aller donner le cadeau. Ok. Donc gauche ou droite pour le cadeau? Ah mais ça sert à rien qu'ils viennent, hein, c'est la fin du live là. Hein. Là à mon avis je donne le cadeau et après c'est la fin de la démo. Hein, donc à mon avis, ça sert à rien qu'il vienne. Hein. Dis-lui plutôt de venir demain si ça l'intéresse, mais sinon, ça sert à rien qu'il vienne ce soir. Gauche ou droite? Bon. Alors, the choice. Tu me dis gauche ou tu me dis droite, Jassim? Je sais pas pourquoi je vais t'appeler Jasmin, c'est énorme dans ma tête. C'est Jassim, pas Jasmin. Je dirais gauche. Bon bah on est parti pour la gauche. Ah. Je pensais pas que ça marchait comme ça. Je pensais que justement c'est lui qui allait disparaître, mais du coup pas du tout. Attention, on n'est pas à l'abri d'avoir un streamer, hein, je rappelle. C'est une blague? Les deux menaient au même endroit. D'accord, did I win? Is there an escape? Ah, quelque chose me dit que ce n'est pas une sortie. Quelque chose me dit que ce n'est pas une sortie. Ah, je connais le jeu. Ah d'accord, ah, bon, je le connais pas du tout le jeu. C'est une démo que j'ai trouvée déjà, donc en général, oui, sur les démos que... Bah ma lampe, hein, je peux plus lire. Pourquoi quand tu recules, t'es censé mieux voir au fond? C'est complètement con. Did you get it? Avec un smiley. Et là, on est retour au début du jeu.
Ça fait très Silent Hill Pity, hein, quand même. Donc j'imagine qu'il faut retourner là-bas. Ah, ça fait très Silent Hill Pity quand même. Y a toujours le truc? Oh, non, il n'y a plus le truc. Ok. Généralement, oui, quand je prends des démos, c'est toujours des démos auxquelles je ne connais pas que je fais. Ah oui, il y a le téléphone. Putain. C'est quoi le numéro de tout à l'heure hein, que j'essaie d'appeler? Attends. Il est où le numéro de tout à l'heure? Je remonte à la conve, hein, je suis désolé, je n'ai plus le chat sous les yeux du coup. C'est 04522, je crois. Zéro sept quatre, putain. Ok. Et 522074. Non plus. Ok. Bon bah go. Hein. Bon pas go. Hein. Oh, ça recommence. T'es pas normal, toi, hein. J'aurais dû regarder avant si t'étais là. Donc soit je vais en haut, soit je vais en bas, c'est ça? Attends, j'en sais rien moi. Attends, par contre. Ah oui, pardon, j'ai oublié de remettre le chat. Merci. C'est mieux avec le chat à jour. Putain, j'en sais rien moi, je vais. Tu faisais quoi? J'ai remonté la conversation pour avoir justement les numéros de téléphone. Tu sais la conversation, le chat du live. J'ai remonté le chat du live pour avoir les numéros de téléphone. Donc soit je vais là. Avec des chaînes, bien évidemment. Soit je vais là-haut. J'ai presque envie de faire un autre sondage. Du coup, je prends la porte ou je prends les escaliers? C'est toi qui fais ce bruit-là? Mais d'accord, tu tournes en boucle. Ah. Alors du coup, escalier. Vas-y, je te laisse encore choisir, Jassim. Parce que bon, en vrai, moi j'ai aucune idée en vrai. Escalier, ok. Par contre, je sais pas du tout ce que ça va m'emmener. À mon avis, je m'attends à voir quelque chose. À mon avis, quelque chose va changer. Je suis allé là-bas, c'est ça?
D'accord, donc on retrouve le truc de Pierre Parker là. Attends, je vais quand même regarder, je vais faire le tourner l'objet, savoir s'il y a quelque chose dessus quand même. Pour être sûr de rien louper quand même. Ça compte louper un truc à une seconde près. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Ah bon, bravo! Bravo, bravo, bravo. De toute façon, je pense que c'est la fin du jeu d'horreur et je pense que ça va être la fin du live dans pas longtemps. C'est bizarre ça, pourquoi? Je sais pas. Non, fais quelque chose avec la fenêtre, non? Je sais pas. Non, mais je pense qu'on bah, on va prendre la porte, hein, écoute. Hein. Attends, à moins que je peux interagir avec la radio ou quelque chose, non? Non, je peux rien interagir. Donc ouais, je pense qu'on va prendre la porte, hein, écoute. T'es parti pour les portes? Ah mais je suis malade. Oui, non, mais je sais que t'es malade. Ne t'inquiète pas, donc je tousse. Mais t'as pas un sirop pour la toux ou des trucs comme ça? En espérant que si tu nous rejoins dans le vocal dimanche, en espérant que tu ailles mieux dimanche quand même. Bon, lui est toujours là en tout cas. Bon bah allez, écoute, on va prendre la porte, c'est pas grave. Ah, mais là on est de l'autre côté. Ah! D'accord, ouais. Thanks for playing. Bon, bah voilà, démo fini. Mais je tousse sec, plus l'autre connerie qui me bloque quand je tousse. L'autre connerie qui te bloque quand tu tousses. D'accord. Bon, bah voilà, on a fini le. Voilà, on a fini. On a fini. Voilà, on a fini la démo, GG. Voilà, et du coup, je vais couper l'enregistrement. Je vais pas couper le live, mais je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Du coup, voilà, des bisous YouTube. Merci d'avoir suivi du coup cette quatrième démo jeu d'horreur, 1h30 de rediffusion. Je vous fais des bisous à vous. Merci Jassim. Et puis du coup, je vous dis à demain soir pour YouTube, si vous êtes là, pour un petit jeu coop avec un ami. Voilà. Des bisous à la rediffusion YouTube.